Alors la situation du collège Rabelais, elle est problématique et pas depuis hier. Effectivement, ce problème de mixité sociale, il existe depuis longtemps et nous, on propose une reconstruction d'un nouvel établissement d'un effectif de 600 élèves. La localisation sera évidemment un problème à gérer avec la municipalité, le conseil départemental et le rectorat. Et un nouvel établissement avec de la mixité sociale et une carte scolaire totalement retravaillée pour que chaque établissement du Blaisois bénéficie d'une mixité sociale intéressante. Qu'est-ce que vous preniez avec la fermeture de l'établissement et la dissémination d'élèves dans d'autres établissements ? Alors, le manque de mixité sociale et la pauvreté du quartier sera effectivement cachée. Elle n'existera plus dans les chiffres, mais dans les faits, les élèves seront dans des établissements qui ne bénéficieront pas de moyens supplémentaires pour les accompagner. Et on craint que les collègues qui vont les recevoir, on ne leur donne pas les moyens d'accompagner nos élèves comme ils en ont besoin. Aujourd'hui, vous êtes combien à vous mobiliser ? Est-ce que c'est représentatif d'un mouvement important ? Aujourd'hui, on a plus de 90% de grévistes dans les personnels de l'établissement. On partage effectivement tous l'idée d'une reconstruction qui va permettre un travail sur la carte scolaire et donc une mixité sociale pour tous.